la souveraine. Le souverain ? C'est moi qui vais gérer le son derrière. Ah, d'accord. Je l'éteins, là. Je laisse couper, là. Ah. Qu'on voit ce que je dis, regarde. Bonjour à tous, je crois qu'il est 10h, on va pouvoir commencer. Bien, écoutez, je vais vous demander pour des raisons techniques de bien vouloir mettre vos portables en mode avion pour éviter les interférences. Monsieur le vice-président, monsieur l'adjoint, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, je suis ravi d'être parmi vous en ce dimanche 7 février, 10h, pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'il y a encore deux semaines, nous n'étions pas sûrs de pouvoir respecter le calendrier électoral qui avait été prévu en novembre dernier. Dans le pire des scénarios,
Nous aurions pu rester encore un mois, deux mois, peut-être jusqu'au mois de juin. À vrai dire, personne ne le souhaitait. Les élections ont eu lieu, vous êtes là, et c'est tant mieux. Vous êtes présent dans une configuration un peu particulière, qui respecte les gestes barrières, ce qui explique l'absence du public, qui peut néanmoins suivre la séance en direct sur la page Facebook de la commune. Et à cette occasion, donc, je salue les grands forts philippoises et les grands forts philippois. La seconde raison est que même les meilleures choses ont une fin. La tenue de ce conseil constitue la finalité même de la mission de la délégation. Préparer, organiser et tenir les élections pour que la commune retrouve un mode de fonctionnement normal, pour que la commune retrouve sa sérénité qui la caractérise. Notre mission s'arrête donc aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, l'annulation des élections municipales de Grandfort Philippe de mars 2020 par le jugement du tribunal administratif du 23 septembre a conduit monsieur le préfet du Nord, comme le lui impose la loi, à mettre en place une délégation spéciale chargée, selon les termes du Code général des collectivités territoriales, de remplir les fonctions du conseil municipal. Donc installée le 4 novembre, cette délégation de trois membres se composait de monsieur Bernard Dujardin, ancien secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque, monsieur Philippe Demarc, ancien chef du bureau des relations avec les collectivités territoriales de cette même sous-préfecture, et moi-même, Hervé Duclois, issu des finances publiques, en charge des affaires juridiques et du contentieux fiscal à la direction régionale des finances publiques, et précédemment affecté à la gestion des collectivités territoriales. Cette équipe avait donc une très bonne connaissance du fonctionnement d'une commune, de son organisation, de ses missions et des règles qui la régissent. Pour autant, la délégation n'a disposé que de pouvoirs limités qui concernent les actes de pure administration conservatoire et urgente. Dans ces conditions, nous avons exécuté le budget dans la limite des crédits disponibles, en payant les factures et les salaires après les avoir contrôlés. Nous avons tenu l'état civil, veillé à l'ordre public, surtout en cette période de pandémie. Nous avons signé les actes d'urbanisme et les autorisations de voirie. Et dans le cadre de la préparation des élections, nous avons tenu commission de révision de la liste électorale et procédé à la mise sous pli et à la tenue des bureaux de vote. Nous nous sommes abstenus de prendre des décisions qui engageaient la commune sur le long terme. Et permettez-moi cette plaisanterie, nous n'avons pas augmenté les impôts. Cette période transitoire a donc duré trois mois, et fort heureusement, avec la compréhension de la population, qui a eu l'opiniâtreté d'attendre de longues minutes dans le froid, l'élection a pu se faire dans des conditions relativement satisfaisantes et dans le calme. Le dimanche 31 janvier dernier, à l'issue de l'annonce des résultats du deuxième tour du scrutin, j'ai eu à proclamer le nom de 29 personnes élues, conseillers municipaux et conseillères municipales, qui, au sein de la nouvelle assemblée délibérante, prendront en main le destin de la commune. Les urnes ont décidé qu'au sein du nouveau conseil, 22 membres seraient issus de la liste Ensemble allons plus loin, conduite par M. Sonny Clincard, 5 de la liste Unis avec Grandfort Philippe, conduite par M. Joël de Mazière, et 2 de la liste Grandfort Philippe vous appartient, conduite par Mme Fabienne Deroy. Depuis cette soirée électorale, 4 démissions sont parvenues en mairie, celles de M. Larieux, de Mme Coubel, de M. Jolibois et de Mme Vérove de la liste Grandfort Philippe vous appartient, reçue les 1er et 2 février.
conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, qui prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant. Il est donc déclaré élu pour succéder M. Ludovic Fillet, 6e sur la liste de Mme Deroy. Je constate également que le conseil municipal a bien été convoqué 3 jours francs avant cette première réunion, le délai de 5 jours ne s'appliquant pas à cette occasion. Mais avant de procéder à l'appel des élus présents, je souhaite rappeler brièvement certaines dispositions législatives et jurisprudentielles. Présence des élus. Il n'est pas exigé que tous les conseillers en exercice siègent effectivement à la séance d'élection du maire et des adjoints. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à tout membre du conseil de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Règles du quorum. Pour l'élection du maire et des adjoints, il convient de respecter les règles du quorum fixées à l'article L2121-17 du CGCT et de s'assurer que la majorité des membres en exercice est personnellement et physiquement présente à l'ouverture de la séance. Ne sont pas comptabilisés dans le quorum ceux qui auraient donné procuration à un mandataire. Secret du vote. Si la séance est publique, le scrutin, lui, est secret et cette règle doit toujours être respectée en toutes circonstances. Cependant, ne sont obligatoires ni l'isoloir, ni l'urne, ni même l'enveloppe. Pour autant, une urne a été prévue. Sont admis les bulletins rédigés par les conseillers eux-mêmes et ceux rédigés à l'avance ou imprimés. Élection des adjoints. Le nombre d'adjoints ne peut dépasser 30% de l'effectif du conseil municipal, arrondi à l'entier inférieur, soit en ce qui concerne Grandfort-Philippe, un maximum de 8 adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue, au scrutin de liste bloquée, c'est-à-dire sans panachage ni vote préférentiel. Sont proclamés élus l'ensemble des candidats de la liste ayant remporté l'élection. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de la présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. La liste des candidats doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner, mais aucune disposition n'interdit à la présentation de listes incomplètes. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste, mais l'ordre de présentation des candidats doit être clairement mentionné. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Ceci étant rappelé, je vais procéder à l'appel des élus. Madame Nathalie Agé, Monsieur Romain Agé, Madame Cynthia Anuré, Monsieur Jean-Noël Bloclé, Madame Marjorie Brasselet, Monsieur Mario Candel Escobar, Monsieur Sonny Clincard, Madame Nicole Daubercourt, Monsieur Joël Demazière, Madame Fabienne Deroy, Monsieur Anthony Dean, Monsieur Joël Dolé, Monsieur Eddy Ferrard, Monsieur Ludovic Fillet, Monsieur Claude Fournier, Monsieur Hervé Fournier, Monsieur Jean-Jacques Fournier, Madame Charline Dionan, Monsieur Jean-Marie Gruson, Madame Lindia Landy, Madame Chantal de Fébure, Madame Stéphanie Lotto, Monsieur Jacques Mutet, Madame Laurence Pleuvret, Madame Josette Schepper, Madame Véronique Toulotte, Madame Valérie Vermersch, Monsieur Jean-François Avitz, Madame Christelle Ouadou. Donc j'ai appelé tout le monde.
Je déclare donc installé ce 7 février 2021 le nouveau conseil municipal de Grandfort-Philippe. Je constate que le quorum requis pour l'élection du maire et des adjoints est atteint. À cet instant même, prend fin la mission confiée à la délégation spéciale par Monsieur le Préfet du Nord. Donc la deuxième partie du conseil municipal va commencer. Avant que la délégation ne se retire, je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal, agents administratifs, agents des services techniques, pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans cette mission. Alors nous tenons plus particulièrement à remercier Madame Christelle Fleury, la directrice générale des services, pour son concours très précieux. À titre personnel, je remercie bien évidemment Bernard, Philippe, pour le concours, la rigueur, les compétences dont ils ont fait preuve pendant ces 3 mois. Donc voilà, j'appelle donc pour présider la séance inaugurale du conseil municipal la doyenne d'âge de l'Assemblée, Madame Josette Schepper. Mesdames et messieurs, chers collègues nouvellement élus et réélus, je vous souhaite la bienvenue. Étant fière d'être à nouveau la doyenne de cette assemblée, tout comme je l'ai été lors des élections du 15 mars 2020, j'ai l'immense privilège de présider cette séance jusqu'à l'élection du maire. Cette séance d'installation du conseil municipal pour les années à venir se déroule compte tenu du contexte sanitaire, conformément au décret 2021-99 du 30 janvier 2021 à huis clos, à la salle des fêtes Joseph Brunet et dans le strict respect des règles sanitaires et de distanciation physique en vigueur. Cette crise sanitaire nous permet de mesurer davantage le sens de l'engagement qui nous incombe, nous, élus de proximité. Chacun de nous doit être garant des valeurs d'entraide, d'humanité et d'altruisme. Nous le devons à celles et ceux qui nous ont désignés pour siéger durant cette mandature. Être conseiller, c'est savoir accompagner ses administrés, être à leur écoute. Tout cela demande à savoir-faire, à savoir-être et de la disponibilité. Nous pouvons être fiers de notre ville où il fait bon vivre, chacun en conviendra. Nous allons officiellement ouvrir cette séance d'installation de notre conseil municipal. L'article 2121-15 du CGCT stipule qu'un secrétaire de séance doit être désigné. Je propose que le Benjamin, M. Romain Agé, officie en tant que tel. Nous allons poursuivre avec la lecture de l'ordre du jour. Installation du conseil municipal. Élection du maire, fixation du nombre d'adjoints, élection des adjoints au maire, lecture de la charte de l'élu local. Affaires générales. Dénomination d'une impasse, d'une résidence et numérotation des habitations. Je déclare solennellement les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Je vous rappelle
que par la loi du 17 mai 2013, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales. Au scrutin du 31 janvier 2021, ont ainsi été élus en tant que conseillers communautaires représentant la commune de Grandfort-Philippe à la communauté urbaine de Dunkerque, M. Sonny Clacard et Mme Nathalie Agé. Il me revient à présent de désigner deux assesseurs pour le bon déroulement des opérations de vote. Est-ce que quelqu'un voudrait se... Donc Romain et Véronique. D'accord. À présent, je fais appel solennel à candidature à main levée pour l'élection de maire de la commune. Candidature de M. Sonny Clacard. Donc, M. Sonny Clacard est donc le maire de Grandfort-Philippe. Voter. On va voter. Oui, voilà. Nous allons procéder au vote. Un bulletin vous est remis. Chaque élu est invité à le remplir. À l'appel de son nom, chaque conseiller s'approche à la table de vote et me fait constater qu'il est porteur d'une seule enveloppe. Mieux que les dernières. Comment ? Non. Non, non, parce que je dois continuer à parler. Je vais retourner.
tous maintenant, je crois. À vous l'honneur, madame. Ah bon. Je vais tous les appeler maintenant. Non, vous êtes en accord. D'accord, d'accord. Thank you.
Alors, on donne le résultat. Alors, nombre de bulletins, 28. Bulletin blanc, 6. Bulletin nul, 0. Suffrage exprimé, 22. La candidature de M. Clincard-Sauny a obtenu 22 voix. M. Clincard-Sauny, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire. Attention ici. Alors, monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous remettre l'écharpe. Mettez le bras gauche et le bleu à l'intérieur. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous remettre l'écharpe et je vous félicite. Bien. Ça manquait, ça. Avant que je prenne la parole, est-ce qu'il y a des prises de parole de la part des autres groupes siégeant au conseil municipal ? Non ? Une prise de parole ? Je vous en prie, monsieur Fournier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Messieurs les membres de la délégation spéciale, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, madame la directrice générale des services, j'adresse ce message à l'attention de monsieur Joël Demazière et du groupe Uni avec Grandfort Philippe. Après une campagne d'une agressivité inouïe, monsieur Joël Demazière s'est attaché avec constance à s'élever à la hauteur de sa caricature, celle d'un homme dévoré par son ego, incapable de reconnaître une défaite indiscutable, prêt à fragiliser l'institution qu'il avait annoncée en délaissant le rôle de l'opposition dans le seul but d'apaiser sa rancœur. Une élection ne change pas un homme, mais révèle ce qu'il est. Il a fallu que le résultat des urnes, par deux fois, soit sévère avec l'apprenti factieux, car l'homme qui promettait de rendre sa grandeur à Grandfort Philippe l'a abaissé par son comportement. L'acceptation de la victoire de l'adversaire, la concession du perdant à son successeur, sont considérées depuis longtemps comme les preuves de la maturité et de la solidité d'une démocratie dans laquelle l'ambition personnelle s'efface le moment venu devant l'impératif du bien commun. Cette politique de contestation est détestable lorsqu'elle prive la municipalité des moyens normaux destinés à la faire fonctionner la commune. Elle est indigne et pernicieuse en pleine pandémie du Covid-19 et lorsqu'elle instille le doute sur la légitimité de son prédécesseur. L'entreprise dans laquelle s'est lancé Joël Demazière a échoué. Il est plus facile de dire que l'élection était truquée que d'admettre que sa politique a détourné les gens en nombre suffisant pour perdre. Les Grandfort Philippois et Grandfort Philippoises l'ont très bien compris et la démocratie a retrouvé son cours normal le 31 janvier 2020. Je vous remercie de votre attention. Tout le monde aura compris que Jean-Jacques faisait référence au 31 janvier 2021. Non, c'est trop tard, même Dorois. D'accord. Chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur l'Adjoint, représentant la délégation spéciale, j'allais dire feu délégation spéciale, Madame la Directrice générale des services, Willy et Sandy, présents en qualité d'agents municipaux, ainsi que Sébastien Dupont,
au nom de la ville qui couvre l'événement, et l'équipe que je voudrais saluer qui filme ce conseil municipal. Messieurs de la presse écrite et radiophonique, chère Josette, c'est avec brio encore une fois que tu as brillé ce matin. Et à travers toi, chacun sait qu'il y a une part de Joseph qui plane au-dessus de nous et au-dessus de moi en particulier, et tu sais à quel point j'en suis très fier. Mes premiers mots iront à ma famille, à ma maman, à mes deux enfants, dont Sarah, que j'embrasse très fort, et à qui je pense en particulier ce matin. Je veux ici remercier la délégation spéciale, et pour ce faire, en votre nom, leur offrir au nom de la ville de Grandfort-Philippe ces assiettes de la commune célébrant la création de notre cité maritime en 1884. J'ai demandé à Nathalie et Lydia de bien vouloir me rejoindre et vous offrir ces assiettes, ce modeste présent qui me semble est utile, garnira vos habitations, vos bureaux, et c'est vraiment de tout cœur que l'on vous remercie et qu'on a le plaisir de vous offrir ces assiettes. D'ailleurs, je propose qu'on applaudisse les membres de la délégation spéciale. Je veux les remercier en votre nom, en effet, car ils ont vaillamment entrepris cette mission difficile d'administrer une commune dans un contexte particulier, cela a été rappelé, en pleine crise sanitaire et sociale. Gageons qu'ils ont eu un aperçu, eux qui sont de hauts fonctionnaires, à apprécier le rôle et la vie d'un élu municipal, même si leur champ d'action était limité. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, de vous rencontrer pour la première fois dans ce cadre, ce vendredi, où nous avons pu partager un certain nombre de constats sur le fonctionnement de l'hôtel de ville et de ses services municipaux. Notre directrice générale, seule cadre A de nos effectifs, a besoin et aura un renfort en guise d'assistante de direction qui interviendra principalement sur les procédures obligatoires propres à une collectivité, les ressources humaines et les règles de comptabilité, afin d'assouplir la perception de nos titres, par exemple, comme nous l'avons évoqué lors de notre entretien, où je vous remercie encore pour la qualité de vos propos. Depuis 2014, nous avons œuvré pour une meilleure optimisation de nos services, par un renfort en personnel au CCAS, par exemple, où je rappelle qu'hier, seul un agent y évoluait dans un bureau au rez-de-chaussée sans fenêtre, ni espace adapté. Et désormais, elles sont trois dans un environnement plus propice. Mais aussi à l'état civil, aux services techniques, à la mission de sécurité et de surveillance, et avec l'agence postale communale, dont je souhaite d'ailleurs qu'elle puisse ouvrir toute la journée, dès que possible. Le centre socio-culturel, un de nos satellites, a par ailleurs vu aussi ses effectifs se renforcer par la création d'un multi-accueil en centre-ville. Je veux ici aussi remercier par ailleurs la présence d'un cadre A détaché par la communauté urbaine de Dunkerque et son directeur général, que je salue, Laurent Pidou, monsieur Christophe de Vulder, qui travaille aux côtés de la directrice générale sur une perspective et prospective financière de la ville. Car gouverner, c'est gérer, et pas seulement prévoir. Enfin, notons aussi l'arrivée récente de Madame Descamps, responsable des services techniques, et qui est la deuxième cadre de la commune. Deux cadres, deux femmes. C'est une vraie satisfaction. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'en profite pour indiquer que la municipalité va lancer un plan de restructuration de nos services, en se faisant soutenir par un organisme neutre, afin de renforcer la polyvalence de nos services et la performance de notions de service public. Une feuille de route sera proposée aux agents.
Je rappelle juste que je veillerai, en qualité de maire, à ce que soient, avec mon équipe, appliqués les droits et les devoirs du personnel. Ces 3 mois ont été longs et très instructifs à bien des égards. Il s'agit ensemble d'en tirer les enseignements. Nous le ferons. Il sera important de définir un plan d'action annuel, car au regard de la situation sanitaire, nous naviguons tous à vue. D'où la nécessité d'être prudent et mobilisé, aux côtés de nos forces vives, que sont les associations locales, les clubs, les partenaires institutionnels, les commerces, les artisans, les écoles, le collège, les bailleurs et les habitants. J'ai demandé à chaque adjointe et chaque adjoint, ainsi qu'aux élus délégués, de prendre attache dans le cadre de leurs délégations respectives avec tous ces acteurs afin de les rencontrer et de faire un point d'ensemble. Par étapes et priorités, nous avancerons. Ensuite, les commissions municipales viendront structurer ces propositions et les remonter. Ce sera le rôle des commissions municipales. Nous allons très vite aussi rentrer dans un cycle budgétaire à prévoir. Et à ce titre, je veux juste vous rappeler que la ville de Grandfort-Philippe, à l'instar de toutes les villes de la communauté urbaine de Dunkerque, a signé un pacte fiscal et financier en 2016 qui l'engage à respecter des engagements liés aux dotations perçues. Chaque semestre, un audit gratuit est réalisé avec et par les services financiers, qu'on se le dise. J'aurai d'ailleurs à défendre bientôt, ce jeudi, l'obtention pour notre ville de fonds de concours afin de poursuivre l'entretien de notre patrimoine qui s'élève à 26 millions d'euros, dont nous avons encore à finaliser l'église, la salle des fêtes, le bâtiment GGVLS, la maison Talleux, etc., etc. Et à traiter les dossiers en attente, en mairie, tels que les chantiers engagés et les demandes des administrés au niveau de l'urbanisme notamment, et en matière de logement. Je vous demande, mesdames et messieurs, de faire preuve encore un peu de patience, mais soyez sûrs que notre équipe, dès demain, se remettra au travail, mais avec plus de structuration et d'organisation, car nous sommes tous perfectibles. Mais encore faut-il en avoir conscience. Un bilan sera demandé au service de ces 3 mois écoulés. J'ai aussi une pensée ce matin, en votre nom, pour les familles de Grandfort-Philippe qui ont eu à subir les affres de la Covid et celles dernièrement endeuillées, où bon nombre d'amis nous ont quittés. Je veux aussi remercier à nouveau la communauté médicale dans son ensemble, qui accompagne les malades et la population, ainsi que la communauté paroissiale, pour son précieux soutien dans ces circonstances. Continuez de vous protéger, même si je sais que c'est très dur d'être privé d'interaction, à la fois pour notre jeunesse et nos aînés. C'est un dommage collatéral immense. Je voudrais remercier la population qui s'est mobilisé lors de cette élection, ce qui légitimise davantage le score de chacun, et notre victoire en particulier, puisqu'avec 3 listes, nous avons gagné dans les 3 bureaux et frôlé les 50%. Il faut, cela dit, rester humble et déterminé à faire bouger les lignes. Je regrette juste la nature de cette campagne, où je n'ai pas le sentiment, d'avoir été critiqué sur les logements construits depuis 2014, de tout type, faisant passer notre commune de 5 022 habitants à 5 200 en 5 ans. Les animations retrouvées
et novatrices, telles que le festival de Cerf-Volant, par exemple, le renfort de nouveaux services, l'aménagement et le cadre de vie de la commune qui s'est transformé, le parc de l'Estran, la véloroute Voie Verte, l'ouverture de nouveaux commerces, dont un McDonald's, qui a créé 47 emplois, le trois quarts occupé par des grands forts philippoises et des grands forts philippois, la livraison des repas à domicile, le désendettement de la commune, pour ne citer que cela. Non, les attaques sont venues de ce qu'il y a de pire en politique. Des attaques de personnes d'ordre privé, médiocres, qui plus est sur des réseaux sociaux, c'est ainsi. Est tellement plus facile de balancer tout et n'importe quoi, en feignant de ne pas mesurer les conséquences de celles et ceux qui les subissent, tels que nos parents, nos conjoints, nos proches, nos enfants, nos amis. Me vient à l'idée une maxime d'un grand penseur qui était Confucius, qui disait « Oublie les insultes, mais tu n'oublies jamais les bienfaits ». Le conseil municipal aujourd'hui diffusé le sera encore à l'avenir, pour vous éclairer sur la nature des débats qui s'y dérouleront. D'ailleurs, ce conseil municipal sera ce que nous en ferons dans un cadre respectueux et basé sur des propositions et critiques constructives. Je remercie enfin les collègues maires de l'agglomération dunkerquoise, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, Patrice Vergrit, notre sénateur Jean-Pierre Decolle et notre député Paul Christophe pour leur soutien, ainsi que nos multiples compagnons de la cité et d'ailleurs, car seuls, on finit par stagner. Unis, on avance à grands pas. C'est le sens de ces soutiens. Et c'est tellement important en cette période compliquée d'être solidaire. Je vous remercie enfin pour votre confiance, mesdames et messieurs, chers collègues, entouré d'une équipe à qui je veux encore souhaiter le meilleur et dont je suis fier pour la conduite contrôlée durant cette campagne. Chaque élu majoritaire a une délégation où l'enveloppe indemnitaire légale est répartie en 22 et non en 9 comme ce fut longtemps le cas. Donc, chers collègues, au travail. Je vous remercie de votre attention et salue l'ensemble des élus de cette Assemblée. Vive Grand Fort Philippe. Merci. Bien. Pour reprendre l'ordre du jour qui vous a été présenté, à la fois par la délégation spéciale et Josette, en début de séance. Nous sommes arrivés au point de la création de postes d'adjoints. C'est une belle transition, puisque je viens de l'évoquer. Alors, création de postes d'adjoints, en vertu de ce qui a été expliqué par la délégation, et en vertu du CGCT, nous disposons de 30% de l'effectif légal du conseil municipal pour créer donc 8 postes d'adjoints. J'ai souhaité que ces 8 postes soient pourvus en vertu de la parité aussi, 4 hommes et 4 femmes. Considérant que ce pourcentage donne pour la commune de Grand-Fort-Philippe un effectif donc maximum de 8 adjoints. Je propose à l'Assemblée la création de 8 postes d'adjoints et je suppose que nous allons devoir procéder à leur élection. Je suppose que l'on va faire comme pour l'élection du maire. Madame la directrice générale des services va vous remettre une enveloppe avec un bulletin. Je vous remercie de bien vouloir le mettre dans l'enveloppe ou le remplir, si vous le souhaitez, sachant que Madame la directrice générale des services va faire le tour et récupérer l'ensemble des bulletins et à l'issue, comme tout à l'heure, les assesseurs vous assisteront. Donc la liste du groupe majoritaire a déposé une liste conduite par M. Fournier-Jean-Jacques. Donc M. Fournier-Jean-Jacques.
Monsieur Jean-Jacques en tant que premier adjoint, Madame Thank you.
Un, deux. Je propose d'appeler chaque adjointe et chaque adjoint pour qu'ils puissent recevoir symboliquement son écharpe. Je vais commencer par le premier d'entre eux, en l'occurrence Monsieur Fournier Jean-Jacques, que je vais inviter à me rejoindre et qui sera donc le premier adjoint de la ville de Grand-Fort-Philippe. La deuxième adjointe étant âgée Nathalie, qui sera en charge de l'action sociale. Le troisième adjoint sera Monsieur Candel Escobar Mario, et qui sera en charge des travaux et de l'urbanisme. Quatrième adjointe sera donc Lydia Landy, et qui sera en charge du commerce et du développement économique. Merci. Cinquième adjoint sera le benjamin de cette assemblée, Monsieur Romain Agé, qui sera en charge des associations et clubs sportifs. Bravo. Sixième adjointe, Madame Ouadou Christelle, qui sera en charge des festivités. Le septième adjoint en charge du tourisme et de la communication, Monsieur Dean Anthony. Et enfin, huitième adjointe, Madame Chantal Lefébure, qui sera en charge de l'enseignement et des écoles. Un, deux, allez, il nous reste deux points. L'ordre du jour appelle donc au septième point de ce premier chapitre.
Il s'agit de la lecture de la charte de l'élu local. Une synthèse a été faite. Je vous propose à M. Fournier, Jean-Jacques, de bien vouloir nous la présenter, nous l'exposer quelque peu. Merci, M. le maire. Donc, la lecture de la charte de l'élu local, je ne vais pas la détailler en totalité, en direct. Donc, je vais évoquer les 7 points de la charte. Donc, vu la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, insère un article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales qui définit la charte de l'élu local. L'article L1111-1-1 du CGCT stipule que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. La charte est ainsi rédigée. Point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, point 7. Ici du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, monsieur le maire vous a remis aux conseillers municipaux une copie des articles du Code général des collectivités territoriales consacrés aux conditions d'exercice des mandats locaux. L'Assemblée donc prend acte de la lecture de la dite charte. Merci. Merci. Bon, je suppose que c'est... On doit voter, non ? On prend acte de cette charte. Le dernier point à l'ordre du jour étant la dénomination d'une impasse, d'une résidence et la numérotation des habitations. Tu veux que je la présente, Mario ? T'es pris sur le fil. C'est vrai que c'est un point qui n'était pas à l'origine prévu, et je remercie encore une fois les membres de la délégation. Monsieur Duclois nous a quittés, non pas parce qu'il en avait assez, mais il a de la route, il repart sur l'île, et en plus de ça, je pense que les routes sont verglacées, enneigées. Soyez prudents et prudentes d'ailleurs, tout à l'heure, et j'espère qu'il arrivera à bon port. Merci encore une fois à vous, messieurs, d'avoir accepté que l'on mette ce point à l'ordre du jour, simplement pour gagner un peu en efficacité et permettre à l'opérateur qu'est Flandropal Habitat de pouvoir procéder à l'opération d'usage. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article 22-13-28 du CGCT, au terme duquel, dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. Au vu donc du décret 94-11-12 du 19 décembre 1994, relatif à la communication au centre des impôts fonciers, de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles, de l'article 141-3 du Code de la voirie routière, relatif à la mise à jour du tableau de classement des voies communales, et considérant
que des voies ou lieux publics de la commune ne portent pas de dénomination et qu'il est nécessaire d'attribuer des dénominations aux voies qui en sont dénuées afin de faciliter le repérage au sein de la commune. Je vous propose donc que cette impasse puisse porter le nom de l'impasse Saint-Paul, en référence et en hommage à l'annexe de l'école Saint-Paul qui s'y trouvait par le passé, vous vous en souvenez toutes et tous. Je rappelle que la résidence principale portera le nom de Jeanne Duret, pour les anciens, sœur Picure. Donc il fallait une impasse, et il fallait la dénommer, et pour pas qu'il y ait de redondance ou de confusion, il faut faire le distinguo. Nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée que de faire un clin d'œil à l'école Saint-Paul, eu égard à son parcours et eu égard à son expérience et à son passé. C'est adopté à l'unanimité? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour, Madame de Roy. J'ai donc vu sur l'ordre du jour qu'il y avait effectivement ce point à étudier. Je suis un peu surprise, Monsieur le maire, que vous, sans concerter l'ensemble du conseil, ayez décidé de nommer cette impasse et cette résidence. Je pensais sincèrement qu'autour de la table, nous aurions pu avoir un échange sur le sujet avant de valider. Oui, parce que moi j'avais donc avec l'équipe que nous constituons travaillé sur le sujet, hein, puisque je l'ai dit, on ne va pas être fermé sur les dossiers, on ne va pas vous dire blanc quand vous direz noir, on va essayer d'avancer concrètement ensemble, et donc nous avions suggéré aussi des éléments de notre côté. Alors si vous en êtes d'accord, je vais donc les donner. Merci. Donc, pour la résidence, nous avions aussi pensé à Jeanne Duret, donc, ou à Thalassa, qui était aussi quelque chose qui pouvait nous convenir en bord de mer. Et pour l'impasse, nous avions pensé sœur Picure, autant pour moi. Donc, on se rejoint. Hein. Et si on avait choisi Thalassa, on serait parti sur Georges Pernoud au niveau de l'impasse. Voilà, pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est un débat qui doit se faire au conseil municipal. Je rappelle quand même que le maire est là pour exécuter ce qui est dit au conseil municipal. Merci. D'autres remarques, Monsieur Witz? Vous êtes d'accord? Bien, je propose qu'on soumette ça à l'approbation du conseil municipal. Qui est pour, à main levée, l'impasse Saint-Paul? Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? De votre part, contre? Très bien. C'est donc adopté à la majorité. L'impasse s'appellera donc l'impasse Saint-Paul. Au-delà de la forme, je voudrais juste rappeler ceci. C'est un beau projet qui est en train de sortir de terre. C'est une belle opération immobilière qui va venir offrir à nos habitants une dizaine de maisons, de logements dits sociaux, de tout type. Et je m'en félicite et je voudrais féliciter encore une fois la municipalité pour ce travail conséquent, la communauté urbaine aussi qui nous a aidés dans tout ce qui est lié à les attributions de terrain, la dénomination de voirie et la facilité aussi pour la ville d'en être dotée. Remercier aussi le bailleur, Flandropal Habitat, ex-maison flamande, qui s'investit de plus en plus sur notre territoire et c'est tant mieux. Et remercier et puis se féliciter aussi qu'une opération comme celle-là permet de créer de l'emploi local, permet aussi à des sociétés de notre territoire de travailler, puisque quand le bâtiment va, tout va. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous demanderai avant de partir de bien vouloir émarger les feuilles qui vont bien pour attester de votre présence et je vous indique que courant mars, courant avril, nous aurons des conseils municipaux qui vont être appelés à nous réunir. Notamment, le prochain conseil municipal aura lieu probablement première quinzaine de mars et il s'agira d'étudier ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire. Bonne journée, bon dimanche et à très bientôt. Merci.